on va l'attendre, la reine, mais... Moi, quand je serai grande, je serai reine d'Angleterre. Tu veux prendre des paris sur la couleur du tailleur? Allez, vert. Vert? Bon, moi, je dis rose. Yes! Yes! All right! Oh là là, elle est magnifique. C'est un vert qui pète. C'est un vert qui pète. Elle dit pas bonjour? Pas un petit geste, pas un petit rien signe. Du tout. Je suis très déçue. Alors, ouais, et dis donc, la reine des pantins, elle n'est pas très accueillante, je trouve. Cette femme serait-elle un peu snob? Si on vous dit anglaise, vous pensez sûrement à la reine et à ses chapeaux, à Vivienne Westwood et ses robes déjantées, ou encore à Kate Moss. On a beau être voisines, les londoniennes ne sont pas faites sur le même moule que nous. Elles font d'ailleurs des trucs qui nous déroutent un peu. Ouais, par exemple, avoir les jambes nues en plein hiver, boire des litres de Guinness, ou bien évidemment le grand classique, porter des chaussettes avec leurs talons aiguilles. C'est pour ça qu'on est venu ici, pour comprendre comment fonctionnent ces drôles d'oiseaux, les pintades à Londres. Les pintades à Londres. Alors les pintades, vous vous demandez sûrement ce que c'est les pintades. Eh bien les pintades, ce sont les femmes d'aujourd'hui, modernes, urbaines et indépendantes, mais qui revendiquent le droit à la frivolité. On est toutes un peu des pintades, quoi. Allez, on vous amène à la découverte de la basse-cour londonienne. Shall we, dear? Blouson bleu électrique, talons vert pomme, pas mal. Elles vous paraissent excentriques, les londoniennes? Ben ici, c'est la norme. C'est sûr, quand on est française et qu'on se balade à Londres, on se sent un peu insipide et on se dit qu'on a besoin d'un bon stage de remise à niveau. Heureusement qu'on a rencontré Dina pour décoder le style Made in London. En trois phrases, Dina est dingue de mode, diplômée de la fameuse école de stylisme St. Martin's College et surnommée Diana Ross par ses copains. Son audace vestimentaire est à la hauteur de ses talons, vertigineuse. Comment tu fais pour t'habiller avec ce temps qui change tout le temps? Tu prends tout avec toi. Là, dans mon sac, j'ai mon imperméable. Je ne sors jamais sans le prendre. D'habitude, je prends aussi des pulls. Ici, il faut toujours tout avoir dans son sac parce que la météo est tellement imprévisible. Oui, on n'a vraiment pas le bon sac. Hein. Demain, il faut qu'on change. On n'est vraiment pas adapté. Voilà Topshop. C'est le magasin préféré des filles jeunes. Ils ont aussi ouvert un département homme. C'est très bon marché, très à la mode, totalement au top. Et je crois que c'est l'un des plus grands magasins d'Europe. Topshop, le temple de la fringue girly. Allez, on y va. Topshop, c'est le piège à filles. Des kilomètres de fringues et d'accessoires de pacotille, jamais de réassort, histoire de créer le manque, donc le désir. Des prix raisonnables, enfin, vu de ce côté-là de la manche. Plus d'excuses pour ne pas être une fashion victime, c'est le concept de la mode jetable. Il y a tout ici. Oui, il y a même un café en bas. Il y a aussi un salon de manucure, de coiffure, de maquillage. Voilà. Tout pour les besoins de la pintade. C'est anglais, ça? Oui, tu vois ça tout le temps à Londres. Pas vraiment dehors de Londres, mais ici, oui. Moi, je porterai ça. Mais qu'est-ce que tu ne ferais pas, Dina? Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu dirais que les Anglaises n'ont peur de rien? À Londres, oui. Ici, c'est à qui aura l'air le plus bizarre, le plus excentrique, celui qui osera le plus. Pour moi, les lunettes, plus c'est gros, mieux c'est. Non, tu peux pas sortir comme ça. Si, si, bien sûr. Les chaussures sont en bas? Oui.
T'as combien de paires de chaussures? 136. Oui, oui, 136. No way. C'est pas vrai. Et t'as même pas 25 ans? Je sais, c'est une maladie. Je suis obsédée par les chaussures. Ça doit être assez fréquent dans ce pays de se prendre pour Imelda Marcos. Les magasins Topshop vendent 35 000 paires de chaussures par semaine. Très dangereux comme endroit ici. Il faut venir avec du liquide, pas de carte de crédit. Ah, c'est ta stratégie. Ouais. Sauf que ça ne marche jamais. Bon, ben pour nous c'est loupé, on avait pris notre carte bancaire, alors maintenant on n'a plus qu'à porter les sacs. Et comme on n'a pas eu notre dose d'excentricité londonienne, on va à Piccadilly Circus faire un brin de causette avec nos nouveaux amis. La culture punk est de nouveau en vogue ou elle n'a jamais disparu? Elle n'a jamais disparu. Est-ce que la culture punk est née en Angleterre? Je sais pas, je crois. Historiquement, oui. Certains crétins prétendent que c'est en Amérique avec les Ramones. C'est né à Londres, en Angleterre. Comment tu fais quand tu vas te coucher? Vous n'avez pas un lit avec des trous spéciaux pour mettre les cheveux? Non, je dors la tête en bas. Parfois, on met les doigts dans une prise électrique, on s'électrocute et nos cheveux se dressent tout seuls. Onze heures du soir, Dina nous attend chez elle. Elle a promis de nous initier à une coutume locale, le binge drinking. En gros, ça consiste à ingurgiter des quantités astronomiques d'alcool en un minimum de temps. Oh là là, rien que d'y penser, on a mal à la tête. Parle-nous de Londres et de l'alcool. C'est un gros problème. Oui, c'est un gros problème. Le gouvernement essaie de faire quelque chose à cause de... Comment ils appellent ça déjà? Oh, je peux à peine te voir à travers les bouteilles et tu parles de ça. Ouais, mais on a commencé à boire plus tôt. On apprécie le vin. Et ce soir, on a des choses à célébrer. Oui, mais c'est plutôt que chaque soir, on a des choses à célébrer. Le pyjama de Dina. C'est pas mon pyjama, ça m'a coûté 60 livres. Désolée, je voulais vexer personne. Avec son pyjama, son t-shirt à 100 euros et l'une de ses 136 paires de chaussures, la voilà partie avec sa bande de potes. Champagne! Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont fous. Ils vont danser. Pas étonnant qu'à ce régime, 70% des urgences dans les hôpitaux le week-end soient dues au binge drinking. Direction un entrepôt désaffecté dans le quartier interlope de London Bridge. Allez, on laisse Dina à sa rêve partie parce que les paradis artificiels, ça nourrit pas sa pintade. Nous, demain, il faut qu'on se lève pour aller au paradis sur Terre. On va faire le marché.
Market. C'est le plus important marché de Londres. Ouais. Allez, on y va. Ok, ça c'est Turnips. C'est le meilleur marchand de primeur de Londres et sans doute de l'Angleterre. Ils ont des super fruits et légumes. Et les londoniennes, un peu foodies, qui aiment cuisiner, qui aiment manger, viennent à Borough Market et chez Turnips pour s'approvisionner. On va aller faire un tour. Hein. Là, je suis impressionnée. Hein. On vient de plus nous dire qu'il n'y a pas de quoi manger en Angleterre. Et c'est pas mignon, ça? Prête à déguster. Ici, on dit pas bio, on dit organique. Bonjour, on peut avoir deux petits verres de jus de blé, s'il vous plaît? D'ailleurs, les Londoniens sont les plus gros consommateurs de bio en Europe. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que les gens aiment? Oui, c'est très populaire, car c'est très bon pour la santé. Je peux pas, moi. Ah, oh là là, c'est brutal quand même, hein. Je crois que mon transit va être génial aujourd'hui. Oh, oh, je vais vomir le jus de blé. C'est sûr, après la psychose de la vache folle et l'épidémie de fièvre aphteuse, le jus de blé, c'est beaucoup plus inoffensif. Et pour agrémenter leur jus de blé, de plus en plus de londoniennes font du yoga, tout aussi hip, mais beaucoup plus digeste. Daisy est actrice. Quand elle ne partage pas l'écran avec Ewan McGregor, elle fait ses salutations au soleil. Comme ses grandes sœurs, Gwyneth Paltrow et Keira Knightley, elle mène la vie bohème chic des Portobello Girls. Et elle ne se voit pas vivre ailleurs qu'à Londres. Allons en haut de la colline pour admirer la vue. Il s'appelle comment ce parc ? Les jardins anglais sont à la hauteur de leur réputation. Les parcs, c'est un tiers de la superficie de la ville. Wow ! C'est magnifique. J'aime tellement cet endroit. Es-tu fière de ta ville, de son architecture ? Architecture. Yeah. Oh oui. How would you describe? Comment tu décrirais les londoniennes ? Je crois qu'elles sont très indépendantes. On peut être très indépendante ici. Grâce au métro, au mode de transport, tu peux vraiment te balader sans problème. Sortir tard le soir, boire, aller dans des clubs. Il y a aussi de très beaux marchés. C'est agréable d'être une femme ici. Avec Daisy la foodie, le fish and chips huileux n'est pas au menu. Elle nous propose plutôt d'aller manger un morceau chez elle et de nous donner une petite leçon de cuisine. Une leçon de cuisine par une rose anglaise, non mais c'est le monde à l'envers. Daisy mange la marmite. It's like a jam. C'est une sorte de confiture, mais à base d'extrait de levure. C'est très salé. Oh. Do you hate it? Tu détestes? Je pense qu'ils ont un gène particulier qui fait qu'ils adorent la marmite. Mm-hmm. C'est de la pâte de levure. Okay, you want to try it? Tu veux goûter? Yeah, we have. Thank you. We have to toast. Oh! But c'est très amer. Very bitter, no? Tu peux te So let's go cooking. Bon, et si on cuisinait? Est-ce que tu as une recette favorite? On a du poulet, des carottes et des épinards. Allez, au boulot. Contrairement donc à ce qu'on peut penser, les Anglaises, les Londoniennes, cuisinent. She's a foodie. Explique-nous ce que c'est qu'une foodie. C'est quelqu'un qui aime bien manger et aussi cuisiner. Allez, on s'y met. C'est pas comme une gazinière à la française. Alors pour régler la température, si ça va trop vite, si c'est trop chaud, on passe sur l'autre. Est-ce que tu cuisines quand tu reçois tes amis? Oui.
C'est quelque chose qui se fait beaucoup à Londres? On invite beaucoup à la maison. On mange, on boit du bon vin. Le déjeuner du dimanche est aussi une occasion de recevoir. À table. C'est beau, c'est organique. En ce moment, le grand truc, ce sont les produits frais, bio, de saison, pour diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Pas de kiwi, par exemple. Bon appétit. Le taxi est là. Tu les as trouvées où, tes lunettes? À Los Angeles. Même une pintade foodie ne renie pas les traditions, la preuve, Daisy nous invite chez Sketch, le club lounge hip de Londres, pour nous initier au high tea. Le thé, c'est la boisson fédératrice, mais là, on a plutôt droit à la version aristo de la cup of tea. Je pense que le thé est à nouveau très populaire en Angleterre. C'est revenu dans l'emploi du temps des gens. Tu peux avoir un meeting professionnel à l'heure du thé, par exemple. Dans les grands hôtels, il y en a de plus en plus. C'est comme les déjeuners de travail. Depuis 5 ans, c'est à la mode de se voir à l'heure du thé. Tu veux partager un scone avec moi ou en manger un toute seule? Non, non, hein, pour moi toute seule. And then some thank you. C'est indécent. Alors, faut le couper en deux. Le tartinet de crème, qui est une espèce de crème fraîche très très épaisse. Ça s'appelle clotted cream. Et ensuite, la confiture. J'adore. On va prendre 10 kilos. Hein. C'est sûr, si Crésus vivait aujourd'hui, il choisirait sûrement d'être un sujet de Sa Majesté. À Londres, les traders et leurs bonus extravagants côtoient sans les voir les mères célibataires qui vivent des allocations sociales, les welfare mums, comme on les appelle ici. La Grande-Bretagne a d'ailleurs le taux de mères célibataires le plus élevé d'Europe. Dans cette catégorie, Jenny, c'est la reine de la débrouille. Jenny a grandi en France, elle vit seule avec ses deux fils, Mathieu et Morgan, dans un quartier du nord de Londres. Come here, sweetheart. Look. Regarde Morgan, ce qu'on a là-dedans. Huh? Des chaussures. Look at that. Elles sont pour toi. For you? Yeah? Oui. Il y a aussi une jolie paire de baskets pour quand tu seras grand. Yeah? For when you grow up. C'est quoi, Jenny? C'est des chaussures d'un petit garçon qui va à l'école ici, qui n'en a plus besoin. Et ce qu'on fait, en général, on les récupère avec plaisir. Ok Morgan, on te suit, t'es notre guide. Morgan, donne-moi ton vélo pour traverser la rue. Donne-moi la main, il y a un gros camion. Hello. Donc là, on achète une carte pour la semaine, pour 14 livres. Et c'est juste pour les bus. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Si tu prends le métro, ça va être plus cher. Oui, oui. Le transport est horriblement cher. Ouais. Le loyer, ouais. Il est de combien pour toi? Le loyer est de 1000 livres par mois. D'accord. Voilà. Et pour l'instant, vu que je ne travaille pas, j'ai des allocations qui payent ça. On descend là. On va d'abord à la banque. Ça va m'imprimer un relevé. C'est pour voir si l'argent de mes allocations sont rentrées. Et ensuite,
de voir si mes factures ont été payées. Mais toutes les semaines, tu regardes, tu vérifies si les allocations sont bien rentrées. Parce que vu qu'il y a tellement qui rentrent sous différentes formes, c'est pas un salaire à la fin du mois. Donc voilà, pour les enfants, pour moi et l'allocation du papa. Et ça, toutes les semaines. Attends, mon chéri. Par là, reste sur le trottoir. Pourquoi t'as deux banques ? L'autre, c'est juste de l'argent pour ce qu'on achète la semaine, c'est-à-dire pour le transport et pour la nourriture et les choses pour la maison. Et quand je les avais tous dans le même compte, j'avais tendance à empiéter sur l'argent pour... Le logement. Voilà. Donc, c'est plus facile de le faire séparer. Jenny touche plus de 2300 euros par mois, net d'impôts. Et oui, Welfare Mum, c'est une carrière, un job à temps plein, une icône que la presse tabloïde adore détester. Et alors, c'est quoi ce jardin ? C'est plusieurs petits bouts de terrain qui sont loués par le council. Par la municipalité ? Voilà, la municipalité, pour que les gens puissent cultiver. C'est uniquement pour cultiver. Des endroits comme ça, il y en a plus de 700 à Londres. Jenny a attendu 2 ans pour avoir son jardin, mais elle se considère chanceuse. Certains peuvent attendre jusqu'à 10 ans. Tu payes combien pour ça ? C'est 25 livres par an pour moi. Et le truc, c'est que si j'arrive à cultiver énormément, mais ça m'aiderait tellement financièrement par rapport au prix de ce que tu trouves dans les magasins. Il suffit que tu fasses quoi ? Des pommes de terre, des carottes, des courgettes, quelques salades. C'est pratique, joli, hein ? Oui. Voilà, c'est chez moi. Des artichauts anglais. Pas mal, hein ? Oh, c'est génial ! Au cœur de Londres. Donc ça, c'est à moi jusqu'ici et jusqu'à la dernière rangée de... C'est des vignes, ça ? Ouais. Voilà, c'est des vignes, oh là ouais. Là. Là, il reste... 3 cerises qui ont été épargnées par les oiseaux. Ah oui, c'est sympa. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as quitté ton emploi ? Je travaille en tant que gardienne de prison. J'étais enceinte de Morgane et j'étais en pleine séparation avec son papa. Et du coup, je me suis rendu compte que j'allais pas avoir beaucoup d'aide par rapport à son père. Donc, je devais vraiment choisir entre mes enfants ou le travail, quoi. Donc j'ai choisi les enfants, évidemment. Alors moi, je me suis dit, oui, je vais arrêter pendant 1 an. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était mieux dans l'intérêt de mes enfants de rester avec eux. Parce que si je retournais, je ne les verrais pas du tout. Je me suis dit, sans famille pour aider et sans le papa, ça fait trop. Donc j'étais obligée d'arrêter ça. Donc depuis que tu as arrêté de travailler, tu vis... Je vis sur des allocations. C'est pas toujours bien vu ? Non, c'est pas souvent bien vu, mais dans tout ça, les aides qu'on reçoit, je pense que ça aide vraiment les enfants. Pour moi, c'est justifié. C'est justifié par le fait que j'ai travaillé depuis l'âge de 17 ans, de toute façon, et j'ai contribué aussi. Et ce que les gens disent, c'est leur problème. Je veux dire, s'ils ont envie de se mettre à ma place, qu'ils le fassent. Hein. Est-ce que tu regrettes le choix que tu as fait ? Non, pas du tout. Morgane, tu vas voir Morgane. Yeah. Ouais, chercher Mathieu. En tout cas, c'est sympa, quoi. Si t'habites dans un immeuble et que t'as pas de jardin, tu peux venir ici. Bon, demain, on va rencontrer une autre icône, mais dans un genre légèrement différent. Bonjour, on peut avoir le sun? 35 pence. Pourquoi j'ai ton sun aujourd'hui? Pour regarder une fille toute nue. Wow! Alors, le principe, c'est que tous les jours, dans le sun, qui est l'un des tabloïds les plus lus en Grande-Bretagne, il y a une fille nue. Voilà. Voilà, le concept de la Page 3 Girl. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons en rencontrer une, Cassie. Sauvage.
tout un programme. Je pense que le sauvage est très sauvage. Hello. Hi there. Hi. Hello. I'm Layla. I'm Jeff. Hi, Jeff. Nice to see you. Hi, I'm Cassie. Nice to meet you, Cassie. Nice how are you? You? I'm good. How are you? Nice meeting you. Me too. Hello, I'm Laura. Nice to meet you, love. To meet you, Cassie. This is the photo. Voilà, c'est le studio de photos où je travaille aujourd'hui. Okay, great. Tu fais quel genre de photos, sinon? Je fais pas mal de photos pour de la lingerie, des maillots de bain, parfois des photos seins nus. C'est drôle parce qu'en France, on n'a pas vraiment ces page three girls. Je pense que ça fait partie de la culture britannique. C'est un concept étrange si on y réfléchit. Vous êtes assis pour le petit déjeuner en train de boire un jus d'orange et de manger un croissant, par exemple, et vous regardez les seins d'une fille dans le journal. C'est étrange, mais les Britanniques y sont habitués. Je viens juste de terminer une émission de télé-réalité qui s'appelle Wax Boutique, qui a été diffusée pendant 14 semaines sur la chaîne ITV, en Angleterre. Tu peux nous dire ce que c'est qu'une WAG ? Une WAG, c'est des initiales pour désigner la femme ou la petite copine d'un footballeur. Quoi, tu es une WAG ? Plus maintenant. Mais tu l'as été ? Qui a fait de toi une WAG ? Oui, j'ai été la petite amie de Michael et Sienne pendant un an et demi. Il jouait à Lyon avant. Bon, Michael a démenti la love affair. Cela dit, Cassie et Victoria Beckham ont au moins deux points communs. Elles aiment les footballeurs et leur sein défie la gravité. Ceux de Cassie lui ont d'ailleurs valu six fois les honneurs de la Page 3. Et Al, qu'est-ce que tu penses de ses seins ? Oui, ça va. C'est un milieu très compétitif. Oui, très. On n'a pas beaucoup d'amis dans ce milieu. Les gens se font pas mal de coups bas. Depuis quand tu le fais ? Je fais ça depuis que j'ai 19 ans. J'ai 24 ans. Il paraît qu'à Londres, le nouveau samedi soir, c'est le jeudi soir. Surtout, ne pas sortir le week-end quand on est branché. À minuit, on retrouve Cassie dans Knightsbridge pour prendre un verre au Wellington, un club fréquenté par les chasseuses de people. Et à Londres, quand on dit people, la famille royale n'est jamais loin. On a entendu cette rumeur à propos de toi et du prince Harry. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, les médias en ont fait toute une histoire, en disant que je l'avais embrassé. Mais je ne l'ai pas embrassé. Je l'ai rencontré dans un club qui s'appelle le China White. On a bu un verre, parlé un peu, mais c'est tout. Et vous vous êtes pas touchée ? Non, pas vraiment. On a un peu flirté, mais c'est tout. Vous n'êtes pas embrassé ? Non, j'adorerais embrasser William, mais pas Harry. Ce sont tes amis ? Hello. Voici mon ami Misha. This is my friend Misha. Et ça, c'est Shusha. Vous avez quel âge ? 24 ans. 25 ? 25. Qui est célibataire ? Je le suis presque. Elle est célibataire. Je ne veux plus fréquenter de chanteurs, ni de DJ, ni de trafiquants de drogue.
Ils sont trop coquins. En plus, ils ont trop de temps libre, alors ils en profitent pour aller voir ailleurs. Je vais trouver un homme riche. Si Thierry Henry nous regarde, je suis célibataire. Il est intelligent, il est beau, c'est un bon mari, un bon père. Il incarne si bien la France. Oui, mais il n'y a pas seulement Thierry Henry, tous les footballeurs. Oui, mais Thierry Henry surtout. Il est vraiment fantastique. Elle l'adore. Quart du matin, il vient de te voir et nous allons nous baigner dans un lac glacé. Un lac, une sorte d'étang boueux, nous a-t-on dit. Alors, il paraît que c'est un truc très populaire chez les Anglaises, chez les Londoniennes. Elles adorent se jeter dans la flotte glacée. Ça doit, je sais pas, conserver, donner bonne mine. Et elles font ça toute l'année. Hiver compris. Ah, des canards, ça tombe bien, on va aller se baigner avec eux. Je ne vais pas me baigner avec les canards. Ils me regardent. Hello. Alors, vous allez vous baigner dans l'étang? Il paraît et on a très peur. Vous vous baignez? Oui, c'est un endroit très spécial, un petit coin de paradis. Est-ce qu'ils sont sympas, les canards? En général, oui. On n'aime pas quand il y a des cygnes. Ah, mais il n'y en a pas aujourd'hui, hein? Vous allez vous baigner? Oui, ça fait partie de notre mission. C'est sûr, vous ne pouvez pas venir juste pour regarder les autres. Déjà là, j'ai froid. Attends, elles y sont allées du premier coup comme ça, elles n'ont même pas réfléchi. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Elle n'est pas froide. Non, mais regarde la couleur de l'eau, je peux même pas voir mon pied. Allez, Leïla, oui! Oui! Elle nous a dit surtout ne touchez pas l'eau. Ne touche pas l'eau. Ça pue un peu quand même. Mais non, moi j'aime bien moi. Des requins! Je suggère de se rouler dans les orties qui sont juste là. C'est paraît-il tonique. Impossible d'explorer la basse-cour londonienne sans rencontrer une poche. Une poche, oui, vous savez, pas comme un sac plastique de supermarché, non, non, plutôt comme une pintade Old England. Serena vit dans une maison victorienne qu'on squatterait volontiers quelques semaines dans le quartier chic de Notting Hill. Tu portes un uniforme? Oui, je porte cette tenue en été. Et en hiver, je porte une tunique et une chemise. Tu aimes ça? Oui. Je porte aussi un blazer. Tu peux nous montrer? Voilà ce qu'on porte d'habitude au printemps et en été, et qu'on ne porte jamais en hiver.
Tu sais faire ton nœud de cravate tout seul, Ivo? Très bien, mon chéri, c'est fantastique. Oh là là, et dire que les nôtres ne savent toujours pas faire leurs lacets. Et quand une poche est mère de famille, elle devient yummy mommy. Autrement dit, super maman. Quel a été mon premier mot, maman ? À chaque fois que je faisais tomber quelque chose, tu disais « Oh, dear !» Tu disais que l'année prochaine, Ivo va changer d'école ? Oui, à la fin de ce trimestre, Ivo va partir à Coast Hill. C'est un pensionnat qui va de 8 à 13 ans. C'est un concept très anglais. C'est mon mari qui a insisté et qui a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux pour Ivo. C'est bien de le séparer de sa gentille, charmante et délicieuse sœur aînée. Et qu'est-ce qu'en pense Ivo ? Pourquoi tu veux aller là-bas, Ivo ? Parce que je crois que ça va être super et j'ai plein de copains qui y vont. Au pensionnat, toutes les activités sont incluses. Comme ça, s'ils font du piano, du tennis, du patin à glace ou du cricket, tout est sur place. Ils font du sport tous les jours. Ici, ils doivent prendre le bus pour aller aux cours de sport. Ils passent plus de temps dans le bus que sur le terrain de sport. En particulier pour les garçons, la pension est un choix évident. Pas question pour Serena d'envoyer ses enfants dans une école publique, comme tous les gens de son milieu. Elle a choisi Pembridge, l'une des écoles privées les plus exclusives de Londres. 34 000 euros par enfant et par an. Bonne journée, à tout à l'heure. C'est une bonne façon de commencer sa matinée, n'est-ce pas ? Oh, et voilà notre futur Premier ministre. Futur Premier ministre ? Dave Cameron. Peut-être vous avez des choses à nous dire sur les femmes à Londres ? Elles sont indépendantes ? Très indépendantes. Beaucoup de femmes qui travaillent doivent jongler entre famille et vie professionnelle. C'est un gros problème. Elles travaillent très dur. Quand vous regardez les chiffres, 68% des mères de jeunes enfants travaillent, ce qui est élevé et ça continue d'augmenter. Flexibilité et garde d'enfants, deux gros dossiers. Ma femme est en train d'ouvrir un nouveau magasin à Los Angeles. C'est pour ça que c'est moi qui dépose les enfants à l'école. Si on était Madame Cameron, on le laisserait pas seul trop longtemps, Dave. Être poche, ça va de pair avec avoir Dave Cameron pour ami et passer le week-end dans son manoir à la campagne. Qu'est-ce que vous faites le week-end ? Le week-end, ma mère a une maison à la campagne. Et on y va religieusement, tous les week-ends. Les enfants adorent. Ils font beaucoup d'équitation. Et j'ai grandi à la campagne. Et c'est formidable de partager ça avec eux. C'est merveilleux de pouvoir s'occuper d'un animal. C'est actif, c'est bon pour eux. Ça leur apprend l'équilibre, la coordination. Et ils adorent. C'est vraiment bien, Poppet. Montre-moi ta position pour le saut d'obstacle. Penche-toi en avant. Give him a kick. Well done, Danny. Right. Sit up. Sit up. Come on, Bailey. Come on. And then lean forward. Oh, I say. Don't worry. C'est rien, chérie. Il a fait un grand saut. C'est rien, mon chéri. Tout va bien. Je crois que je l'ai dégoûté du saut. C'était un grand saut, dis donc, mon ange. That's perfect. Okay. Now we'll stop. Ferg, tu préférerais habiter à Londres ou ici ? À Londres. Ah, voilà, c'est mon rat des villes.
Mais quand ils grandissent, ici c'est super. De pouvoir courir, se balader dans les champs, taper dans le ballon. À Londres, tout est tellement restreint. Partout, il faut un accompagnateur. Je ne suis pas très politiquement correcte alors. Ce que je veux, c'est qu'ils soient indestructibles. Ils ont une belle vie ici. Vous faites la chasse à cours? C'est interdit. On le fait de temps en temps. La chasse à cours est interdite maintenant. C'est toujours légal en France, non? Maintenant, on fait des courses de chiens de piste. Vous avez dû voir des chiens tout à l'heure. Ce sont des beagles, des chiens de piste, justement. Il y a beaucoup de terrains de chasse autour d'ici. Et tu aimais ça quand c'était légal? Oui, j'adorais. Mais encore une fois, j'ai grandi avec. La vie change. C'est plus pareil. Maintenant, je fais le Poney Club. Et la vie est belle ici. Aujourd'hui, on va aller voir Shirali, qui habite dans le quartier indien de la ville. Alors, Northwick Park, là. Ah non, là, ah, tu non, connectes ça, pas. Ça connecte pas. Alors, on fait comme ça, regarde. Hop, on change Northwick Park. Il y en a pour une heure. Campagne et pourtant on est toujours à Londres. Ouais, et alors là-bas, tout là-bas, c'est le parc de Wembley. Ah mais oui, bien sûr. Le Londres des pintades, c'est aussi celui des princesses de l'Empire. Notre copine Shirali est prof de Bhangra, une danse traditionnelle indienne. Près de 4 Londoniens sur 10 sont d'origine étrangère. Londres, capitale européenne du multiculturalisme, 50 communautés coexistent sans se mélanger et revendiquent leurs traditions. Pour Shirali, la robe de mariée, ça sera un sari brodé plutôt qu'une meringue de tulle. Oh mon Dieu, c'est mon nouvel ami. C'est tellement beau. Je le veux. Il faut que je me marie pour pouvoir porter ça. Dès que j'ai trouvé le candidat, je reviens l'acheter. Alors, malgré les apparences, on est toujours à Londres. Le temple de Nisdon est le plus grand temple hindou en dehors de l'Inde. Près de 5000 tonnes de marbre ciselé, dédié à Brahma, Vishnu, Shiva et tous leurs copains. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir un temple d'une telle beauté en plein Londres ? Je pense que c'est un privilège. Il y a des hindous et des asiatiques dans toute l'Angleterre. On a vraiment de la chance parce qu'on peut pratiquer notre religion très facilement. C'est très facile d'accès, 15-20 minutes. Il y a des gens dans le nord du pays qui n'ont pas ce luxe et qui ne verront jamais ça, à moins qu'ils ne viennent jusqu'à Londres. Alors que nous, on peut le voir quand on veut. C'est un symbole de l'intégration dans la société. On y va? À la maison? Head off. Ne jamais faire de shopping en talons. Maman a préparé le repas parce qu'on a des gens à dîner ce soir. C'est des samosas? J'adore la cuisine indienne. C'est Janvi, dis bonjour. C'est elle qui fait le henné, c'est mon amie. Ça c'est mon frère Nami et c'est mon cousin. On va dans la même université et il s'appelle Sita.
C'est qui sur cette photo? Ça, c'est ma mère le jour de son mariage. Vous êtes de quelle région de l'Inde? Je suis du Gujarat. Ça fait 25 ans qu'on est mariés. Vous êtes arrivés ici avant ou après votre mariage? On s'est mariés là-bas et ensuite on est venus ici. C'est mon mariage arrangé. Pas mon mariage... Vous savez, qu'en Inde on fait ça, le mariage arrangé. Mais c'était un bon mariage. Oui, c'est un bon mariage. Vous le connaissiez avant? Non. Vous ne l'aviez jamais vu? Non. Vous voulez que Shirali ait un mariage arrangé? Non, non. Ça va comme ça? Tu es superbe. Tu penses que c'est mieux d'avoir 35 ans et d'être célibataire ou de faire un mariage arrangé? Si tu ne peux pas trouver quelqu'un, je pense qu'il vaut mieux le mariage arrangé. Ça dépend, c'est vraiment selon. Si tu veux une carrière et que fonder une famille n'est pas une priorité et que tu t'en fiches d'être seule à 35 ans, alors ça va. Pour moi, j'aimerais avoir une carrière, mais je veux des enfants et je veux me marier. Alors je veux prévoir les choses tant que je suis jeune. Je ne serai pas une charge trop longtemps. Tu te sens plus britannique ou plus asiatique, indienne, vivant ici? Parce que je suis née ici et que je suis anglaise, on adopte les traditions et les modes de vie des Anglais. Mais j'ai grandi dans une famille, dans un quartier où il y a beaucoup d'Indiens. Notre génération a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de festivals, de magasins indiens. On n'est pas éloigné de notre culture du tout. On a beaucoup de chance d'avoir le temple, de pouvoir acheter des vêtements comme ça, sans oublier que c'est une tenue traditionnelle. Personnellement, je suis anglaise de naissance, mais indienne de cœur. J'aime tout de notre culture. Londres est une ville qui rassemble une multitude de communautés étrangères. Et peu importe qui tu es et d'où tu viens, tu es accepté. Soit poche, grungy ou branché, franchement, les pintades londoniennes, elles assurent. Hein. On leur envie, leur créativité, leur manque d'inhibition, leur côté viking même. C'est vrai qu'elles sont résistantes aux intempéries. Mais ce qu'on leur envie par-dessus tout, c'est leur ville. C'est vrai qu'il nous a pas fallu longtemps pour tomber amoureuse de Londres. Ouais, on a même adopté certaines pratiques locales. Oh, blimey, London rocks! Second one, you open up your fingers. Back, two, three. Keep it going. One, two, three, and four. One, two, three, and four. Again. One, two, three, and four. Very good. One, two, three, and four. Five, six, seven, and eight. Classical.